ta sacoche là. Voilà. Merci Jason. Ah, bien joué Genève. Régale. Ah ouais, franchement c'est bien. Vous jouez contre qui après? Nantes, je crois. Ils gagnent ce match là, du coup Nantes. Ok. Ah ouais, bien joué, bien joué. Vous avez bien respecté Montpellier. Nous voici réunis à Perpignan Zoo pour une deuxième édition et une belle demi-finale qui opposeront les équipes Perpignan à Lyon 1. Voilà, Perpignan qui sort d'un golden goal de 10 minutes. Beaucoup trop énervé contre Londres, qui viennent de finir leur match et qui enchaînent plus ou moins directement avec Lyon. Incroyable golden goal, n'est-ce pas? Ah oui, ils nous ont quand même vendu du rêve sur ce quart de finale, hein, c'est ça? Ah oui, je crois que ça a duré au moins 25 minutes. Ah non, au moins 30. Ah oui, les fourmis dans les pieds, on les a sentis. Les carottes ont mis à cuire à la vapeur, comme on dit. Voilà, nous nous retrouvons avec une équipe composée de Tristan, Mehdi, Riton et Kostia, avec en face Alphonse, Vincent, Bouchard et Morgan. Voilà. Morgan numéro 2 qui s'oppose Perpignan 1. Vous avez la balle qui va bien brûler pour Perpignan. Voilà, Perpignan qui, on le rappelle, sont à domicile. À domicile, oui, c'est bien ça. Voilà. Ils connaissent bien le terrain. Ils connaissent bien le terrain, ils connaissent bien la météo, ils connaissent bien le vent. Ils ont une équipe de supportrices. Alphonse à la balle, Alphonse conserve. Ils sont bien. Clairement, on voit qu'ils sont à domicile. Hein. Ils sont à domicile, c'est sûr. Voilà, Mehdi qui attaque, Mehdi qui peut-être fait une passe à Tristan. Mehdi qui est complètement chaud. Oh là là, Tristan qui rate. Pas de faute. Mehdi qui va mettre un tampon à Boubouche. Oh, faute sifflée par Django, faute de Bouchard sur Mehdi. Bien sûr. On appelle ça un toppling. Un bisou. Ce sera ouais. balle Perpignan. Te force pas non plus, Mehdi. Hein. Ok, balle Perpignan. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien au micro? Oui, tout le monde m'entend très bien. Voilà. Merci Thomas au caméraman. Alphonse qui conserve pour Morgan. Morgan la frappe et arrête. Morgan qui rate légèrement sa frappe. C'était, sinon je donne le... c'était quand même une frappe de bourrin. Avec Coco, 40 ans le mec. Il a encore 40 ans. Il y va. Salut. Alphonse qui récupère la balle derrière les buts. Alphonse qui conserve, qui drop dans son camp pour. Bonjour, Quentin. Ça va. Quentin qui prend le temps, qui observe et position les adversaires. Ouais. Fin de dribble, balle perdue. Et il regarde là. Tristan qui récupère. Tristan qui avance avec. Appel de Mehdi, frappe de Tristan raté. Improbable. Quentin accélère. Quentin, potentiellement le MVP du tournoi. Super tournoi qu'il fait, hein, vraiment. Conserve encore. Vraiment, le mec est méga solide. Il a été invaincu tout le week-end, mesdames et messieurs. Invaincu tout le week-end. C'est la marque des gros. C'est live, c'est entièrement live. Une touche pour Morgan. Voilà le petit tiki-taka qui n'a pas parvenu à marquer. Et je rappelle que Jules est quand même passé nous voir. Jules est venu ce week-end dire bonjour. Thomas, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu de Jules? Il est à ta droite. Il est au niveau du refing, voilà. Avec le bob, on voit Jules.
Jules est venu, mesdames et messieurs, ce week-end. On a aussi Johnny Hallyday qui est venu. Voilà. Caméraman, est-ce que tu pourrais faire un petit zoom sur Johnny Hallyday, s'il te plaît? Ah, on nous dit que Johnny Hallyday est hors de champ. Alphonse qui centre à Bouchard. Bouchard, je rappelle, potentiel MVP. MVP qui pivote sur lui-même. Il reset un peu tranquillement. Peut-être une petite passe. Non, il continue à garder. Il est quand même assez solide, ce monsieur. Je rappelle, invaincu tout le tournoi, mesdames et messieurs. Tristan qui refrappe, improbable, il n'a pas d'angle. Triton qui demande à Tristan de revenir. Triton va-t-il éliminer les Lyonnais à lui tout seul? Voilà la question qu'on se pose. Je rappelle le score, mesdames et messieurs, 1-0 pour Lyon. Eh oui! C'est pas grave, mais il continue, mon grand, t'es un champion! Perpignan qui aurait peut-être besoin de faire un petit changement. Perpignan! Django qui siffle une faute. Apparemment, changement de balle, changement de camp, on sait pas trop. C'est vrai que le soleil pèse, mais. Apparemment, c'est juste un changement de balle. C'est pas permis, je suis à fond. Voilà le changement qui était à faire chez, du côté perpignanais, faire entrer Riton. Riton va-t-il éliminer les Lyonnais ce week-end? Il nous a offert la musique tout au long du week-end. Va-t-il vaincre les invaincus? Costa qui récupère. Coco qui garde la balle. Coco, il va aller faire tour du but, se conserver. Ok, il drop pour Tristan, pour Riton, Coco. Voilà, Perpignan qui arrive. Perpi qui parvient à sortir de cette zone. Face sur une phase offensive. Va-t-on peut-être voir un tir de Perpignan après toute leur jolie passe? Oh, le point de Mehdi, Mehdi qui continue. Ça arrive dans le coin. Match toujours très serré. On est sur une fin de week-end, mesdames et messieurs. Tout le monde est fatigué malgré cette couche tôt. Je rappelle que les Lyonnais ne sont pas sortis du week-end. Ils ont gardé leur énergie. Peut-être qu'ils avaient bien raison. Mehdi qui se bat bien pour cette jolie balle. Riton qui tente sa frappe, mais Riton va devoir être un peu plus proche, il va vouloir marquer des buts. Morgan, est-ce qu'il va faire une petite classique? Non, il décide de la passer à Bouchard. Bouchard qui récupère, Bouchard qui s'avance, Bouchard qui revient au centre, Bouchard qui tire, Bouchard qui frappe dans les roues de Mehdi. Mehdi qui récupère la balle, Mehdi qui part. Mehdi, ils sont à 3. Oh putain, punaise, pardon, excusez-moi mon langage. C'était plutôt tendu, j'ai cru qu'ils allaient se foncer dedans. Est-ce que ce serait pas au moment du birthday boy de rentrer sur le court, le birthday boy? On rappelle, birthday boy, c'est Barretch, Vincent Barretch, Lyonnais, ancien Perpignanais. Étoile montante hein, du polo. Étoile montante depuis quelques années maintenant. Toujours présent dans les gros tournois. Vincent Barretch qui a gagné à Montpellier. Vincent Barretch qui vise une deuxième victoire de tournoi consécutive dans le sud de la France. Qu'est-ce qui se passe au polo? Ah pardon, mes propos ne sont pas justes. Lyon avait gagné à Montpellier, mais ce n'était pas Barretch. Non, je me trompe.
Bouchard potentiellement pour une deuxième victoire consécutive sur deux tournois. Ah, Bouchard n'était pas là non plus. Morgan qui tente une frappe. Bouchard qui récupère, Bouchard qui doit être vraiment épuisé, il a énormément pédalé durant ce match. Oh non, non, non. Peut-être qu'il va mettre du sel dans sa gourde pour éviter d'avoir des crampes. Chaud, il a l'air plutôt chaud. Oui, Bouchard met du sel dans sa gourde, mesdames et messieurs. Allez. Ah, arrêt de Momo. Morgan. Ah bah voilà, Riton la puissance. Riton et cette forme nonchalante de jeu au polo fait la passe à Kostia. Mais tu sais qu'il cherchait des commentateurs. C'est moi le commentateur, gros. Voilà, Erton qui s'installe, qui prend place dans les gradins après avoir perdu contre cette équipe de Lyon. On a envie de peut-être réagir. Réagir à ces commentaires. Bah, je suis pour Perpi, hein. Voilà. C'est dit. Le sud en force. Le sud. Voilà, maintenant, phase offensive de Perpignan. Perpignan qui n'arrive pas à se mettre dans le trou contre Lyonnais. Lyonnais qui joue tranquille, qui pose. Bouchard qui réaccélère. Bouchard qui fatigue. France qui fait des tours, qui la met à Bouchard. Bouchard lève la tête, attend un appel, fait des tours. Voilà. Un potentiel 1-2, non, il continue tout seul, il avance. C'est pas évident de trouver un gaucher au centre. Hein. Ça ne rentre toujours pas. Voilà, je vois une potentielle faute de Alphonse. Avantage Perpi, vont-ils pouvoir profiter de ce moment? Je crois que Perpi garde la balle, Kostia a la balle toujours. Oh, le coup de coude dans la tête d'Alphonse. Oh là 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 là, dégueulasse. C'est dégueulasse. Coup de coude dans la tête d'Alphonse. Oh là là. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Caméraman, as-tu vu ça? On l'a tous vu. J'espère que oui, parce que vraiment, j'ai vu un coup de nez. Un coup de nez, voilà. Un pied de nez, non? Non, on dit des fois, on dit pied-bouche, mais là, c'était un coup de nez. On est en train d'en discuter, justement. Clairement, en faute sur avantage, hein. Je crois que... 30 secondes! Peut-on filmer l'arbitrage, s'il vous plaît? Peut-on filmer l'arbitrage? Parce que des coups de coude comme ça, c'est quand même. Ouais, 0-0. Et voilà, merci caméraman. C'est là-bas, je crois que ça discute. C'est très brutal. C'est brut. 30 secondes. Non. On attend l'entrée de Barrett. On attend l'entrée du birthday boy Vincent Barrech. Et oui, happy birthday to you, Vincent. Le seul sudiste de Lyon qui vient reconquérir son pays natal, le pays Qatar. Vincent Barrech. Le meilleur cadeau. Il a quand même fait venir Jules, je le rappelle. Il a fait venir Jules pour son anniversaire, Vincent Barrech. Jules qui ne réagit pas beaucoup, mais il est quand même là. Et c'est un but. 2-0, mesdames et messieurs. But. Ah non, pour Lyon, pardon. C'est un scandale. On est passé d'un coup de coude à un but sur joute. Il aurait dû prendre 30 secondes. Et ouais. C'était inarrêtable. Voilà. Je crois que le score est de 2-0. 1-0. On est les pires commentateurs concentrés. Ouh là là, Riton. Les commentateurs. Riton qui a failli sortir les Lyonnais du week-end. Ils n'ont pas chômé ce week-end, les commentateurs.
Perpignan, je vous entends chanter. Perpignan à domicile. Les commentaires, c'est lui. Faut taper sur les moi, je suis sur l'iPad. Ouais, mais faut taper y a sur les bords. Perpignan, Perpignan. Dans le live, c'est eux. Benji qui tente de me décourager de mon rôle de commentateur. Non, il m'a dit de venir avec toi, Jason. Ah ouais, tu veux te mettre près de moi là? Tiens, tiens, tiens. Oh, pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça va. Benji non, qui récupère de son énorme match. Mets-toi là, mets-toi là. Ah, il y a eu but. On est au top. Les micros au milieu. Benji, c'est le meilleur, c'est là. C'est en... Ouais. Non, on joue dans 20 ans, non ? Deuxième but pour Lyon. Benji, joueur londonien qui fait un énorme tournoi aussi. Aux cheveux luisants. Aux cheveux luisants, à la 13 pointue. Malheureusement, l'homme est pointu. L'homme est sorti en golden goal de 20 minutes. Par Mehdi. Ah, tu me reçois là ? Ah, ok. Allez Perpignan, allez. Et tu l'entends Greg au micro tout le temps ? Les Perpignanais qui ont décidé de vachement mettre la pression sur Mehdi qui lève le cul de la selle. Mehdi qui lève le cul de la selle, comme on dirait. C'est peut-être un triste week-end pour Perpignan. Pivot pour le show. Je pense que c'est beaucoup demandé de gagner un tournoi en organisant en même temps. Tiens, regarde, je vais demander à la régie. Ça c'est sûr. On laisse un peu parler Greg. On laisse parler Greg. 5 minutes left. Il reste du temps les gars. 5 minutes. Si, c'est largement assez. Alors on continue de commenter à 6. Allez les gars, on prend une. Allez, Riton qui prend une frappe des plus artistiques. Les gens qui vont regarder le match, c'est stratosphérique ces commentaires. D'un côté, on a Greg Cheval. Super piper. On démonte les deux terrains dans la foulée. Il n'y aura pas de finale, il n'y aura rien. Riton qui, j'espère, super éliminera piper. Lyon. Et pour le troisième but, Momo. Oh là là là, l'énorme frappe. Oh là. Qui a cru se faire traverser. Une frappe, ouais, une frappe qui rajoute un peu de dégâts dans la borne déjà cassée du terrain A. En quart de finale. Tristan qui râle comme à son habitude. C'est dégueulasse. Il a pas tort. Vincent qui en profite, c'est son anniversaire. Et on dans son camp à la cool. Encore une belle faute passée. Pépouze. Et voilà, Tristan qui met de l'impact. Bouchard qui mange la board. Elle a bon goût. C'était un. Il montre son épaule, mais c'est ses dents qui ont tout pris. En fait, je crois que Tristan visait l'épaule, mais Bouchard est un peu petit. Beau câlin, bel esprit. Voilà, il se caline. Ils ont dit que l'OSB était plutôt goûtu aujourd'hui. De toute façon, il a déjà plus de dents, on croit son protège-dents noir. On me dit que dans le court bay, ils ont arrêté le match parce qu'il y avait 7 joueurs sur le terrain. Mais qui sont-ils ? Nantes, Montpellier 1 qui a créé la surprise en Genève. Alors j'annonce le prochain match, mesdames et messieurs. C'est la famille. Nantes-Montpellier qui se respecte. Voilà, Mehdi à l'impact. Riton, Montpellier, grand gaucher. Riton qui essaye. Riton qui essaye. Riton qui passe en arrière. Mehdi, Tristan. Ils jouent comme s'ils avaient le score. Alors que. On temporise. Ils essayent de l'intensité. Mehdi qui repart, qui pédale. Peut-être une petite passe. Riton qui va tranquille. À un moment donné. Il faut la lâcher la balle. Mehdi, auteur d'un magnifique but marqué en golden goal il y a quelques instants. Ok, qui drop. Riton qui drop pour Mehdi. Mehdi qui a mis. Il met pour Tristan. Pas ton feu vert en fait. Pour Riton. Riton, il va nous faire un truc, c'est sûr. C'est sifflé, on sait pas ce qui se passe. Mais Miles, il est en train de se venger du but du match d'avant. On se demande. On a bien vu le maillet sous la roue, déjà très aigri. On se demande si Django n'a pas été. Rémunéré. Ouais. Non. Allez vous gratuler Bango. Ils sont un peu dans le dard. Mais là on est en train de commenter. Parlez plus près. Parlez plus près. Vous avez une occasion d'en parler. Mais lui le sien il est là-bas. Il fait l'ambiance. Ambiance générale.
Et c'est reparti, petite passe par derrière la roue arrière. Bouchard qui pédale fort, il souffle. On nous demande de parler plus près du micro pour faire des blagues encore mieux pourries. Mais il risque de plus la weed. Ah oui, c'est vrai que le micro est défoncé apparemment. Qu'allumer soufflette sur soufflette, c'est pas facile. Avec le micro, on fait des indiennes. S'il y a un peu de delay dans le son, soyez pas surpris. Je récupère le joint qu'il y aura dans le micro à la fin. Ils font des bons 10 balles au streaming. Alors que le micro fait tourner le buzz. On est assis sur le micro, hein. Tout autant. Pix qui fait de l'œil au micro. Bon anniversaire, Vincent. Pix qui espère une petite fin de micro. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Joyeux anniversaire. Baretch qui n'est. Très Vincent Barrette qui est aujourd'hui plus mineur. C'est tout récent. On rappelle le score, mesdames et messieurs, 2-0 pour l'équipe lyonnaise. L'équipe championne du monde à moitié. Rien n'est joué dans ce joli match. Et à moitié majeur. Alors qu'on attend le coup de génie de Riton. Le coup de génie. Ou de Tristan. Le coup de génie de Tristan qui fait de passer à l'adversaire. Perpignan tout court, je crois que. Je crois qu'il serait intéressant pour l'équipe de Perpignan de faire rentrer Costia. Costia qui sait aussi bien protéger les buts qu'en marquer. Il est au four et au moulin, et pourtant, pour l'instant, il est dehors. Il fait la farine et il la concocte. Voilà. Attendez qu'il la cuise, ça va être magnifique. Eh oui. Un peu d'inspiration pour Bocatal. Bien artisanal, très bonne. Hein. Maintenant, le micro, il est. Non, il est bourré. Le micro est ivre. Il tente tout type de stupéfiant. Putain, qui c'est qui m'a dit de commenter ce match? C'est un micro qui ne peut pas être donné à Vincent Barrage. Enfin, si, depuis quelques minutes, il est désormais majeur. Bon, tu me diras. Il a le droit. C'est pas du genre au Lyonnais à parler au micro. Hein. Alors, pas du tout. Pas avant la fin du tournoi, en tout cas. C'est du genre de cale de parler au micro. Petite dédicace en fin de match. Voilà, moi je parle. Ah. Je crois parler au micro. Allez Catal! Allez Catal! Allez Catal! Allez Catal! Tu peux pas le faire toi-même. C'est le patron. Catal qui. Ça ne suffit pas, tu sais. Catal qui, on le rappelle, est à une moyenne de 7 buts par match. Mais aussi à une moyenne de 7 défaites par tournoi. Le chiffre 7, il semble l'apprécier. Et à 7 joints par heure aussi, je tiens à le préciser. Et 7 bières par minute, attention au micro. Haleine de chacal. Je me suis pas brossé. C'est ici que vient l'expression haleine de chacal. Me suis pas brossé. La complète, c'est chacatal. Me suis pas brossé les dents depuis vendredi. Alors que sa fiancée est à ses côtés, il l'assume. Voilà. Alors, apparemment, Perpignan vient de perdre, mais en même temps, c'était couru d'avance. Perpignan qui s'approche petit à petit de la victoire. Oh merde, pas oh du merde, tout. J'ai confondu. En deux soirées, on les a même pas vus au bar. Ils peuvent pas gagner, ils peuvent pas gagner. C'est impossible. Mais ils vont jouer la petite finale et espérer la troisième place. Alors que Lolo est en train de demander à Samir de jouer parce qu'il va faire nuit très vite, Léo, comme à l'entraînement. Dépêchez-vous, il va faire nuit. Allez Montpellier.